la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Après la France, il y a 7 mois, c'est au tour des États-Unis de voir les conditions de leur présence militaire au Niger remises en question par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Dans un communiqué lu samedi sur la télévision nationale, les nouvelles autorités militaires ont ainsi dénoncé un accord illégal, désormais incompatible avec les aspirations souveraines du Niger. Il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Un communiqué synonyme de rupture qui intervient au lendemain de la visite à Niamey d'une importante délégation de responsables américains qui auraient exprimé leurs inquiétudes quant aux relations potentielles du Niger avec l'Iran et la Russie. Un déplacement qualifié de contraire aux usages diplomatiques et qui n'aura pas manqué de froisser les autorités nigériennes. Le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Une force d'occupation plutôt qu'un allié dans la lutte contre le terrorisme, c'est le ressenti de cet acteur de la société civile qui salue une décision responsable des autorités nigériennes. En quoi ils nous aident? Il y a toujours des morts à Chinagodo, à Bani Bangou. On tue des milliers de gens comme des mouches. Pendant qu'ils sont là, on parle d'une puissance. Ils disent que les États-Unis, c'est une puissance. Mais nous n'avons pas senti cela, nous n'avons pas vu cela. Parce que si c'est une puissance, les États-Unis sont venus nous aider dans une guerre terroriste. Ça, c'est quelque chose d'une semaine. Un avenir qui s'écrit désormais en pointillé pour les quelques 1100 soldats américains, dont l'accord régissant la présence au Niger depuis 2012 est rompu avec effet immédiat.